Eh bien bonjour et bienvenue sur Plan B Terraform. Donc il y a eu une mise à jour le 29 mai 2024, hein. Je crois que c'est sur le son ou un truc comme ça. Enfin, de toute façon je vais m'en apercevoir en jouant. Alors je ne sais pas si on va aller déjà dans les options, voir un peu comment ça se passe. Musique, j'ai enlevé, tac tac tac, ça c'est bon. Reset tutoriel, ouais, non c'est bon. HDR Ombre soft, ok. 128, ok. Alors, je ne sais pas si je fais une nouvelle partie ou pas. Le but de ce jeu, c'est qu'en fait, vous avez plusieurs stations qui vont atterrir sur une planète, d'accord? Ces stations-là, vous allez devoir les connecter entre elles. Elles sont éloignées les unes des autres. Pour cela, il va falloir prendre des minerais divers, c'est-à-dire du calcaire, non, ouais, je crois que c'est pas du calcaire, du granit, du métal, de l'aluminium et d'autres, peut-être d'autres métaux. Voilà. Et à partir de là, vous allez créer des routes, déjà des usines, des véhicules, des routes, etc. Et vous allez augmenter, vous allez mettre un espèce de centre dans chaque ville. Et du coup, il faut comprendre le gameplay, il faut comprendre un peu la mécanique de jeu. Mais quoi que la mécanique de jeu, ça encore, ça va. C'est surtout au point de vue du gameplay, ce qu'on va placer, comment ça fonctionne. Donc là, on va faire aujourd'hui, on va faire un truc simple. Je peux jouer, je peux reprendre ma partie. Bah, je vais vous montrer une partie où je suis. Et après, je vais vous montrer, on va faire en deux fois. On va continuer. Donc là, je peux vous expliquer, c'est moi qui jouais, voilà, donc du coup, voilà. Donc là, je suis sur cette planète-là. Voilà, ça me fait penser un peu au jeu que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps, qui s'appelle... Non, il s'appelle pas comme ça. Il s'appelle, je vais vous dire ça, Imagine Earth. Voilà, c'est un jeu. Si ça, ce genre de truc vous plaît, vous pouvez aller voir Imagine Earth, c'est pas mal. Donc, ici, on a une planète. On voit. Alors, on a ici une petite. Je l'ai appelée. Vous pouvez changer les noms. Je les ai appelés Alpha. Ici, Nostromo. Et vous en avez une ici, c'est Sol 1. D'accord? Tout ce que vous voyez en petit bleu là, c'est les routes que j'ai fait pour y aller. Donc, en fonction de ce qu'on voit, on va passer les routes. En fonction des éléments qu'on a, on va contourner ceci, cela. On va commencer par Alpha, je pense que c'était peut-être là. Donc Alpha, on va zoomer. Alors effectivement, quand on zoome, c'est plutôt sympa, tu vois, on tombe là-dedans. Alors là, j'ai commencé à faire du soufre. Là, on va pas jouer, on va juste rentrer après chez une partie. Donc là, il y a du soufre. Ici, ça, ce sont des bras qui prennent du soufre, qui le mettent ici, en stock. Ici, c'est une usine qui transforme le soufre en béton. Le béton, il est là. Le béton, il va être évacué par des camions que j'ai créés après et qui sont normalement ici. Et il y en a 10. Donc ils vont faire l'aller-retour comme ça. D'accord? Ah, je vais pas jouer parce que si je commence à mettre un truc, on va pas s'arrêter. Donc cette route, elle va jusqu'à là-bas. Ici. Ou en fait, elle va apporter le béton ici. Et normalement, si on fait bien les choses, ça va être stocké ici. Mais je crois que j'ai mal fait les choses. Tu vois, ils sont en arrêt les camions parce qu'il prend plus là. Alors il y a une histoire dans ce jeu, il y a un truc, c'est que je mets plus loin. Il faut, quand on place ça, il faut le placer. En fait, il aurait mieux valu pour le jeu qu'on puisse le placer où on veut, autour de ce truc. Mais là, il faut les coller les trucs, il faut que ça soit collé. Vous voyez les petits trucs là, ça vient d'ici, ça vient là. Il y a de l'oxygène, ça c'est de l'oxygène quoi. L'oxygène, ouais. Et du coup, l'oxygène vient ici, ça rentre ici, c'est de l'oxygène. Donc, oxygène plus béton, ça fait rien du tout, mais ça fout un bordel ce truc là. Attends, on va baisser le. Ouais, on va baisser parce que je crois qu'ils ont fait un truc dans le son juste avant. Parce que là, c'est juste pas possible. Voilà, retour. Ok, c'est mieux. Parce que là, c'est pas possible.
Donc là, on a des camions en attente. Et ces camions-là, normalement, devraient livrer. Alors, enfin, je serais tenté. Là, il faudrait que je fasse en fait ici. Il faut que je place des dépôts. Ceci. Je crois que c'est ça, normalement, ouais. Placer un dépôt là. Et ils vont les déstocker. Si je fais ça, je devrais pas faire ça. Si je fais ça, normalement, ils vont les poser. Normalement, ils vont les poser. Je les mets comme ça. Et là, ils vont déposer ce qu'ils ont fait. Et normalement, il devrait y avoir un truc comme ça. Ça s'appelle comment? Un centre d'approvisionnement. Voilà. Et normalement, je devrais. Usine d'assemblage, non, centre d'approvisionnement, c'est là, je crois. Et normalement, il y en a un par ville, je pense. C'est pour ça que ça marche pas. Faudrait qu'il soit proche. Et là, il y en a qu'un, il y en a un deuxième ici. Vous pouvez pas faire le tour de votre ville pour aller les mettre là, parce que sinon, ça va pas marcher. Ça va pas le faire. Et là, il n'y a pas de pont, je crois pas qu'il y a un pont. Non, par contre. On peut peut-être faire une route. Faut pas que je joue, hein. Je suis en train de jouer là. Ouais, on peut peut-être faire une. Attends. Si je fais une route ici. Viens ici, ma petite. Oui, mais d'accord, mais attends. Bon, c'est pas grave. Ok. Ici, là. On fait ça ici. Ici, je pose un truc. Là, je dis que c'est du béton. Donc du coup, ils vont le prendre de la route de là. Après, on va jouer, hein, faire une petite partie tranquille. C'est bon la route là, on y arrive ou ça se passe? Sans blague. Ah, je peux pas fermer là, peut-être, ouais. Attends, faire ça. Ah, c'est bon là. Ok, normalement, ça devrait. Attends, on va créer un petit bazar, mais c'est pas grave. Je fais ça. Tu vas mec. Normalement, ici, on fait ça. Ça devrait aller là, non? Normalement, il serait censé le mettre là et le mettre ici. Parce qu'ici, non, c'est du. Ah, j'ai pas mis de camion. Donc normalement, on va faire les camions qui viennent là. On va changer la destination. Et on va les mettre ici. Voilà. Ce qui fait que là maintenant ils vont partir et ils vont les stocker ici. Normalement il va arriver là, tu vois. Il va le stocker là-bas. On va voir comment ça se passe. Hein. On peut accélérer, je pense. Normalement, ouais. On va voir s'il le pose ou s'il se casse, comment ça se passe. Et si l'autre il le prend aussi ou pas. Il le pose. Et lui il le prend pas. Ah si, il prend du béton. Béton oxygène. Cool. Pour faire quoi? Un centre. Voilà. Ah, béton oxygène. Ah non, le béton, il veut pas. Béton armé. Ah, béton armé. Il veut pas du béton. Comment ça se passe? Non, béton normalement. Et ça, c'est quoi? Béton. Mince. Ah, c'est pour ça qu'il le prend pas. D'accord. Bon, bah. Ouais, c'est peut-être pour ça, ouais. Tiens, il le dépasse pas. Chiotte. Pas changé? Attends, ravitaillement de secours, non. Là, il veut du carbone. Ah oui, et pour du béton armé, il lui faut béton et barre d'acier. Donc le problème, c'est qu'il faut un béton et barre d'acier, voilà. Donc voilà, bon, bref, on va passer. Et donc du coup. Ici, j'ai des trucs qu'on peut ramener là-bas, et etc. Donc, du coup, il faut bien réfléchir à ce jeu. On va faire une nouvelle partie, je pense. Une petite partie tranquille. On va commencer une petite base tranquillou. Là, je vous montre un petit peu les choses. Il n'y a pas d'envahisseur, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de. Vos villes, au départ, elles sont. Il y a juste un petit truc. Et après, ça va se développer, petit à petit. Si vous entourez, comme je vous ai dit, si vous entourez là, ou si ça vous mettez trop proche, ils vont pas pouvoir se. Ils vont pas pouvoir. S'épanouir. Donc du coup il n'y aura rien. J'aurais aimé qu'il y ait des petites. Oh, c'est des petits trucs que j'ai fait en prenant comme ça. Parce qu'en fait, ici, vous pouvez faire des trucs.
Vous n'êtes pas obligé de les envoyer, on peut s'en servir. Du moment où elles sont fabriquées, on peut s'en servir. Voilà. Le jeu est comme ça. En fait, après, vous passez des paliers. Normalement, c'est ici. Le premier palier, c'est barre d'acier. Après, vous faites des extracteurs. Après, un dépôt. Après, il vous demande de faire des pièces mécaniques, une usine, l'assemblage, béton, route, camion, centre d'approvisionnement. C'est ce que j'ai fait. Et à chaque fois, vous gagnez des trucs. Tu vois, aluminium, carbone, point de repère, oxygène, béton armé. Et là, je suis arrêté au niveau 5. Il faut savoir que vous avez d'autres niveaux, hein. Ce qu'on va faire là, on va quitter. On va quitter. Je sais pas si on comme ça. Quitter. Je sais pas si on peut. Oui, quitte. Ok. Jouer. On va faire une nouvelle planète. On vous appelait. Voilà, on va l'appeler Gécor. On va dire que de l'eau, il y en a abondant. Réfraction. Attends. Raréfaction des ressources. Normal. Montagne. Oui, croissance de ville, on va dire 50%, c'est bien. Confirmé. Je laisse faire le temps que je bois un coup à boire, 2 secondes. Ce qui est dommage, c'est que c'est toujours le même style de planète. C'est pas une planète genre, tu vois, elle ressemble un peu à l'autre quand même. Alors, ici il y a New Chong, machin, on va changer le nom, je peux renommer. On va l'appeler Atlas. Ok, maintenant l'autre. Alors, ça c'est New Hong Kong, ouais, pourquoi pas. On va l'appeler manga, parce que c'est mon compte, tant qu'à faire. Et l'autre qui est ici, New Miami, on va l'appeler Pamela. Voilà, bon, pourquoi pas, après tout, petite folie. Hop là, voilà. Bon, on va retourner sur Atlas. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc là il y a de la roche, faut savoir que ça. Attends, on peut pas. Ouais, on peut pas orienter la caméra, c'est juste comme ça. C'est un trou. Ici aussi, tu vois, en fait, c'est vraiment du dé... c'est pas du décor, c'est vraiment trois décors. Donc Atlas, il y a quoi? On voit ici, il y a du minerai ici, là, minerai de fer. Ici, soufre. Il soufre. Donc minerai de fer, c'est intéressant. Donc là déjà, il nous dit. Ici, le tuto nous dit barre d'acier. À chaque fois, tu commences comme ça, et barre d'acier à chaque fois. Donc, acier, il faut minerai de fer. Ça tombe bien. C'est ça, avec une usine. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va aller ici. Il n'y a pas besoin de se déplacer pour mettre les trucs. On va aller ici. Et là, on va commencer à en mettre. On va en mettre. Il ne faut pas trop surcharger. Hein. On va mettre une. Et 2, ici on va mettre des trucs où ils vont pouvoir les poser. Ok, voilà, on va mettre déjà ça. Elle travaille doucement, mais après on va le faire travailler vite. Donc là, ils prennent et ils mettent, c'est ça qu'ils font. Ils le font ou ils le font pas? Ils le font, les droïdes fonctionnent. Ok, maintenant on va faire une usine à côté ou alors une usine d'assemblage. Alors on va faire une usine, produit, créer des produits intermédiaires ou alors une usine d'assemblage. On va faire d'abord ça. Donc là, il va nous donner ici des. Hop là, on voit que c'est des minerais de fer. Donc on va prendre une usine de produits intermédiaires, j'en ai trois, et on va mettre ça ici. Elle, on va lui dire qu'est-ce que tu vas recevoir? Bah ça tombe bien, on fait des barres d'acier. Donc, on lui dit que c'est des barres d'acier. Du coup, l'usine récupère ce que les machins là, comment ça s'appelle. Les extracteurs donnent au tapis roulant et ça fait donc
ça va à l'usine et l'usine récupère des barres d'acier. D'accord? C'est ce qu'il y a, barres d'acier. Maintenant, ces barres d'acier, on va les stocker. On va faire ça. On va pas stocker du minerai et du soufre ou quoi, on va stocker des barres d'acier. On est bien d'accord? Sinon, ça, on comprend rien sinon. Donc là, on va le faire par là. On fait barres d'acier. Donc là, tout ce que tu vas faire après à côté, ça va être des barres d'acier. D'accord? Donc là, il va les stocker. Maintenant, on peut faire une usine d'assemblage après. Donc là, tu peux en stocker plusieurs. Tu peux, voilà. Là, j'en ai combien? Deux. Ouais, on va faire attention. Donc, usine d'assemblage. Je crois qu'on peut, on doit la mettre à côté. Ouais. Tu la prends. Tu la mets à côté. Ok. Elle va soit créer des extracteurs avec des barres d'acier, soit créer des dépôts avec des barres d'acier. Alors pour l'instant, on va mettre des dépôts. Voilà. Donc en fait, on va accélérer. Et elle va me faire des dépôts. Alors, tu vas me dire, les dépôts, où est-ce qu'on les met? Il faut créer un truc. Non, les dépôts, ils sont là. Donc elle va les créer, on va aller plus vite que ça même. Voilà. Et tu vas voir qu'ici, le dépôt, il va augmenter. Logiquement, il devrait. Ça tombe bien, on voit le symbole ici du dépôt. Tu vois, trois dépôts. Les dépôts, ça te permet de mettre des choses, donc tu vas en avoir besoin. Si tu veux créer des extracteurs, tu peux. Donc là, on va en mettre. Là, pour l'instant, on va pas en créer, on va en placer un autre. Ce qui fait que ça travaille encore plus vite. Et je peux mettre un dépôt aussi, ici. Ce qui fait que là, ça va travailler encore plus vite, et lui, il va avoir plus de dépôts. D'accord? Ça, tu peux le laisser travailler. Et tu peux travailler autre part. Là, il t'est demandé juste de faire des extracteurs et des dépôts. C'est tout. Donc, il est marqué, construisez 10 extracteurs. Pas de problème. Donc, tu viens ici et tu changes le truc. Et tu fais extracteur. Du coup, au lieu de faire des dépôts, il va faire des extracteurs qui sont ici. On est à 3, il va en faire 10. Ça, tu laisses travailler. Si tu vois que ça fait trop lent, et ben tu en places et puis c'est fini. Donc là, tu laisses travailler. Ok? Parce que là, c'est facile. Pendant ce temps-là, si tu as autre chose à faire, tu peux le faire. Tu peux vérifier que. Mais alors, je sais pas si on peut voir la suite après ou pas. Non, dommage. Parce qu'on aurait pu anticiper. Donc là, je vois que j'ai du soufre. Et après le soufre, ça va faire des trucs. Si tu veux des routes, il va falloir du, je crois c'est du granit, non du béton pardon. Donc tu trouveras du béton. Donc là du béton, il faut trouver. Alors ici c'est des minerais de fer, ici ça, ah oui, pour faire du béton il faut, je crois que c'est du soufre, je crois que c'est ça. Attends, ça c'est de l'alu, non? Ouais, c'est de l'alu. Minerai de fer encore. Après chez Manga il y a aussi pareil. Donc là tu peux faire aussi un minerai de fer si tu veux aussi. Ça peut les aider. Donc là c'est tout petit, hein, tu vois, un truc. C'est marrant. Donc là, on va sur ici, Atlas. Donc là, pour l'instant, on est. Je crois qu'on était ici, voilà. Je trouve que dans le jeu, il n'y a pas assez d'immersion. C'est ce que je pense, un avis perso. Voilà. C'est trop. C'est trop logiciel, tu vois. Il manque de. Alors le jeu est peut-être encore, je sais pas s'il est terminé ou pas. Il manque un peu de vie, je trouve. Enfin de vie. Une météorite qui passe, un truc, hein, tu vois. Une communication, quelque chose, un machin. Et bon après. Donc là on a 12. On a largement fait le quota. Donc maintenant il me dit. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, c'est bon là, pourquoi il débloque pas? Il disait. Ah, et placez-les au sol, pardon. Donc tu places et on va en placer ici 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai placé combien là? C'est bon. Encore 2. On va en placer un ici, 1 et 2. Voilà, c'est bon. Donc là, t'as gagné, c'est cool. Donc maintenant, si tu places ça, il faut en placer là-bas parce que sinon, il va y avoir un petit problème de. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, lui, il me fait des extracteurs, il en fait beaucoup. On va faire ça que sur une villa. Je ne vais pas faire sur les trois. Sur les trois, tu fais la même chose en fait. Voilà. Là, on va se concentrer sur une ville. Normalement, tu es censé les relier entre elles aussi.
Et après, tu mets des bâtiments qui vont permettre d'avoir une ville après. Tu vois, là, c'est pas la ville, là, hein. La ville, elle est là. Donc, du coup, on va placer après chez Atlas, on va placer une route ou un truc comme ça. Parce qu'ici, on va placer un bâtiment qui va réceptionner les trucs. Tu vois, pour l'instant, il n'y a rien là, ici. Si je clique deux fois, il n'y a rien. Ici, maintenant, on te demande, il veut des pièces mécaniques. Donc les pièces mécaniques, il faut une usine, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut pour les pièces mécaniques? Des barres d'acier. Alors, on veut combien? Construire 5 usines. Ah ben voilà. Et les usines, elles sont là. Usine de quoi? Ok. Donc pièces mécaniques. Pièces mécaniques. Ok. On va faire des usines industrie. Alors, ce qu'on va faire. Normalement, ici. On devrait pouvoir le faire avec un assembleur. Donc là ici, lui, il peut faire barre d'acier, il peut faire, tu vois, il peut faire des usines. Donc, soit je laisse faire, soit je fais un truc à côté et je fais des usines. Tu vois. Donc là, ce que je peux faire, c'est que maintenant j'en ai beaucoup, donc je vais faire la même chose à côté. Ah, j'en ai plus? Ah, ok. Alors attends, on va lui faire faire autre chose. Dépôt, voilà. Donc là, je fais ça. Et ici, je vais placer une usine d'assemblage. Non, pas d'assemblage, une usine de. Attends. Créer des produits intermédiaires, voilà, ça. Donc ici je vais faire des pièces mécaniques, il en voulait. C'est ça, hein? À moins que je me trompe. Et si je me trompe, on corrige. Ici, il va y avoir des pièces mécaniques qui vont se mettre. Et ici, je fais un assemblage ici. Je fais, hop, je veux, avec des pièces mécaniques, je fais des usines d'assemblage. Ou avec des pièces mécaniques, je fais une usine. Donc là, je vois qu'il me manque les pièces d'assemblage. Je fais ça. Et voilà, donc là, maintenant, ce côté ici, il va me créer, on le voit ici au dessin, une usine d'assemblage. Parce que j'en ai plus. Donc je suis là, ils me disent 5. Et placez-les, pas de problème. Tu les places, tu les enlèves après. Hein, on s'en fout. C'est juste pour dire. Donc là, si t'as pas assez, ben, tu mets là, tu vois que ça va aller plus vite. Ça marche ou pas là? Parce que j'ai pas l'impression. Barre d'acier, mais non, coco. Attends. Pièce mécanique. Ah, mais il peut pas. C'est moi qui fais le con. Attends, excuse-moi. Fais des produits avancés, ouais. Fais des barres d'acier. C'est pas grave. Il est pas dans le bon sens. Donc c'est pas bon. On va virer ça. Il est pas dans le bon sens. Tu le vires. Voilà. Alors, ils sont à l'arrêt. Ici, c'est. Il fait des barres d'acier. Donc là, je lui donne de faire des pièces mécaniques. Pour faire des pièces mécaniques, normalement, il faut des barres. Ah, il faut des barres d'acier. Ok, on fait des barres d'acier. Ah oui, ça aussi, il faut être. Un peu là, donc là tu as des barres d'acier. Une fois que tu as fait des barres d'acier, là on va faire maintenant. Lui là, on va le déplacer. On va faire un assembleur. Est-ce que lui fonctionnerait si je le mets là? Est-ce qu'il peut faire des barres mécaniques? Oui, des barres mécaniques. Voilà. Avec les barres d'acier, lui il fait des. Il les prend et il fait des pièces mécaniques que je vais stocker ici. Ok? Jusqu'à là, tout va bien. Je les stocke ici. À partir de là, lui, donc je m'étais trompé, on l'enlève. Lui, je le mets là. Et lui, je vais lui dire de faire une usine d'assemblage. Là, ça marche. Alors les usines d'assemblage, je vais pas les mettre sur le truc, il le met directement ici en fait.
Donc ici je fais des dépôts. Tu vois, j'en ai 27, c'est bien. On va faire des extracteurs maintenant, on va changer. Change, extracteur. Je te conseille de faire deux séparés. Parce qu'il faut pas mélanger. Si tu commences à mélanger, c'est le bazar. Tu fais comme ça, c'est cool. Donc là voilà, il me fait des, tu vois. Il me fait 6. Et là maintenant je vais faire des je vais faire les usines de base. C'est-à-dire je vais changer. Ici, ça là. Je vais cliquer. Et là je vais dire fais des usines intermédiaires. Là, il va m'en faire ici. Ok, pour équilibrer. Soit tu fais, tu refais un truc et tu fais une autre usine, soit tu le fais à la main, tu ne te sois pas à chaque fois. Et puis voilà. Donc là, on a réussi le truc normalement. Et il faut les placer maintenant. Donc 5 et place-les sur le sol. T'en prends 10, tu fais 1. Non, 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 on s'en fout. Tu les places, c'est tout. 2, 3, 4, 5. 6, c'est bon, il les a placés, il est content. 5 usines placées sur le sol, je l'ai fait. Ah, ça a peut-être changé. Ça peut-être. Attends, usines comme ça alors. 5, 1, barre d'acier si tu veux, on s'en fout. Ouais, c'est bon. Après, tu les enlèves. C'est un peu ridicule, mais c'est pas grave. Ok. Ensuite, ils te disent là, fais du béton. Donc atteignez un nouvel objectif, ah oui, pardon, atteignez une population de 10 dans votre grande ville. Donc du coup, il faut faire un centre d'approvisionnement. Et là, il faut du béton. Il faut des routes. Donc là, on va faire du béton. Du béton, il faut du... Alors normalement, il faut une usine d'assemblage qui est normalement ceci. Dans cette usine-là. On va la déplacer après. Mais il faut, on veut un centre de. Voilà. Donc là, il nous dit, il nous faut du béton. Pour faire du béton. Donc là, exemple, ici, on va lui dire de faire. On va changer. Hein, c'est juste pour vous expliquer. Un centre d'approvisionnement. Et là, il attend du béton. Et dans l'autre usine, celle-là, on va lui dire de prendre de faire du béton. Et il faut bien du soufre, tu le vois ici. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va prendre du soufre, il va le transformer en béton. Il va le transformer en béton. Et lui, il va prendre du béton. Et il va faire soit des routes avec le nombre de béton qu'il y a à côté. Soit il va faire un truc d'approvisionnement. Voilà. Là, on veut faire ça d'abord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va trouver du soufre. Il y en a là. Donc ce que tu fais ça, tu fais clic, clic, là on prend ceci, on peut le mettre déjà là en fait, c'est pas grave. Lui il va attendre du béton, okay, il va faire du béton, mais avant de ça, il va falloir du soufre. Donc là ce qu'on va faire, on va mettre ici 1, donc lui il va prendre du soufre, on va lui dire qu'il prend du soufre, normal. On fait 3 mettons, ici. Je mets des trucs. Voilà. Ici, je mets des récepteurs. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Voilà. Ils vont réceptionner jusqu'à ici. Là, je vais mettre. Normalement, je devrais mettre ça. Attends. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre après. Ici, tu mets ça là. Là, tu dis que c'est du béton. Donc, il prend du soufre. Là, il fait du béton. Il fait du béton ici. Du coup, là maintenant, juste après, ça va devenir des stocks de béton. Ici, tu vois. Limite, tu changes d'orientation. Moi, tu sais que ce qu'il y a comme ça, c'est en stock. Voilà. Lui, on l'enlève, on n'a plus un, c'est le même. Et maintenant, le béton, on va dire à ce truc-là. Ici, tu te mets là en boule. Hein. Et toi, tu vas me faire un centre d'approvisionnement. Pareil, il n'y aura pas besoin de stock, il va le faire directement ici. Tu vois, il en a déjà fait un. Centre d'approvisionnement, tu le prends, tu fais ça, tu vas sur ta ville, qui est là, et tu le mets ici. On ne peut pas le tourner, c'est dommage. Tu le mets là. Il touche
Hexagone, enfin si le. Ouais, Hexagone. Maintenant, normalement, au bout d'un temps, ça va se développer. Donc ici, il attend du béton. Donc ce qu'on va faire, il va falloir faire des routes maintenant. Et oui. Donc là, tu en as suffisamment du. Attends, il est où? Il est là. Tu en as suffisamment. Il est où le truc? Chiotte, voilà. Tu as suffisamment d'usines. Là, ici, ça t'en faut pas énormément. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander, plutôt que de faire des usines, fais des routes. Donc là, il va me faire des routes maintenant. Et après, on va lui demander de faire des camions avec des pièces mécaniques. Donc là, il fait des routes. Ce qui fait que je vais pouvoir transporter mon béton d'ici à là-bas. Donc ce que je vais faire une route qui vient ici, mettons, qui vient, mettons, là. Là, je vais faire comme ça. Je vais me déplacer avec le clavier parce que sinon c'est assez chiant. Et là, on va aller jusqu'à Atlas. Tu vois, je peux pas encore y aller pour l'instant parce que j'ai pas assez de route. Mais on va déjà faire comme ça. Hop. Donc là, il y a une route qui part. Et on va aller jusqu'à Atlas. Tu vois, il en fait encore plus. Si tu veux qu'il aille plus vite, tu viens ici, tu poses des trucs tout simplement. Voilà, et si là le stock c'est bon, c'est pas la peine de. Lui, il stocke rien, il stocke ici en fait. Il stocke, pardon, il stocke là. Il est fait en fait. Et si tu viens là, et tu continues. Donc tu viens, voilà, on peut pas avancer plus pour l'instant. Voilà, on attend et on va aller jusqu'à Atlas, qui est là. Atlas, on va déjà prévoir. Ici, on va dire que sur Atlas, ici, il va vouloir du béton. Donc on va mettre ça ici. Normalement, ou là, enfin je sais pas comment ça. Ici. Et on va dire béton. Tu vois, il est en attente. Donc là, on va dire, maintenant, on va aller prendre la route. Et on va lui dire, pof. Toc, tu continues. Donc là, ça travaille tout seul là-bas. Tu sais que tu fais des routes, tu peux faire autre chose. Hein. Fou. Continue. Et on va l'emmener jusqu'ici. On va le faire tourner, je pense. Il faut prévoir, parce qu'après, on va aller certainement par là, ici. On va passer par ici. Donc là, on continue. On va tourner comme ça. Je pense qu'on va juste passer. Parce que si je passe là, je vais couper le truc. On va juste passer comme ça et on passe là et on revient ici. Pour pas embêter la construction. Toi, normalement, ici, on va passer comme ça. On va faire ça. On va faire comme ça. Là, on va faire ça. Là, on va faire ça. Moi, on part direct. Tu vois? Voilà. C'est mieux comme ça. Et d'ici, on partira plus loin après. Et il faudra faire un rond-point pour qu'il puisse. Donc là, on fait ça. Voilà. Ok. Et à la limite, tu peux faire ici un petit rond-point pour qu'il revienne en chercher après. Tu vois. Je fais un truc comme ça. Et comme ça. Voilà. Moi, ils se débrouilleront après. Ok. Maintenant, on va faire des camions. Les camions, il faut des pièces mécaniques. Alors, on va aller où est-ce qu'on faisait des pièces mécaniques tout à l'heure? C'était ici. C'est pas là. Pièces mécaniques, voilà. Ici, là. Mais non, on va faire pour un petit moment. On va arrêter là. Et on fait des. Attends, il fait des pièces mécaniques, lui, ça. Là. Non. Et là, on fait des camions. Pof, on change. Ça, c'est une manière de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez faire. Comme moi, la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai fait des trucs. On va faire des camions, on va faire des trucs. Là, en fait, tu swaps. Donc là, il me fait des camions. Regarde. Tu vois? Ce qui fait que les camions, je les ai. Alors maintenant, je vais faire ça. Je vais dire, à partir d'ici, là, on va mettre un camion ici.
qui va partir et qui va aller là-bas. Y arriver. Voilà, ici. Et je veux combien de camions? J'en ai 6. Et ben j'en veux. Voilà, 6. J'en veux 6. Donc les camions vont apporter du béton. Ici, en fait, tu vas les voir arriver. Ils sont partis déjà, je pense. Voilà, regarde. Ça c'est des chauffeurs, ça. C'est pas des glandus. Hein. Regarde ça. Hop, ils mettent. Et du coup, ici, tu vas t'apercevoir que la société, elle va se développer. Il vaut mieux faire un truc comme ça, parce que si tu commences à rentrer et faire des conneries, tu vas plus pouvoir construire. Tu vois là? Elle pose, toc, elle se casse. Elle pose, elle se casse. Et ça, c'est Envitam. Vas-y, c'est bon. Tu vois, il fera le truc tout le temps. Ce qui va par contre se passer, c'est que comme tu pioches, là ça va pour l'instant. Mais si tu fais trop de camions, tu vas endommager ici en fait. Et du coup, tu pourras plus faire de route parce que le béton n'arrivera pas. Donc il faut limiter tes camions quand même. Parce que tu as mis le truc ici, c'est tout. Là ça fait des routes. Nickel, 132, donc je vais pouvoir. Des routes, il va falloir en faire. Et voilà, et à partir de là, donc là ils te disent quoi? Atteignez 10 dans la population, tu laisses faire. Voilà, tu laisses faire, le truc ça sert tout seul. Voilà, donc du coup, alors, ce que tu peux faire, tu peux travailler en parallèle avec les autres villes. Avec les autres villes, ce qui fait qu'après tu peux donner une autre ville, elle peut apporter des trucs ici. Elle peut apporter des trucs à lui ici, voilà quoi. Alors il n'y a pas que ça, ça tu peux en faire un deuxième, tu le mets, mettons ici, et pareil tu fais la route qui vient et qui repart, au moins on peut construire entre, tu vois, sinon c'est la merde après. Voilà. Je vais arrêter ici, je pense que je t'ai expliqué, regarde, tu vois, ça se développe, voilà, petit à petit. Après il va falloir faire de l'oxygène, donc ça c'est facile, tu vas trouver des trucs pour faire de l'oxygène, ok, là, tu vois, ça augmente. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te tutoie, mais non. Je vais faire sauvegarde rapide. On va quitter. Et voilà, c'était plan B. C'était pour bien commencer, on va dire. Pour commencer un petit peu. Je vais mettre plan B pour les nuls. Ça va faire marrer les gens. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut, salut. Ciao, ciao.